Le cyclisme à l'honneur. Deuxième édition randonnée VTT ici à La Grosse. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Eric Fab TV et bienvenue dans cette deuxième édition de randonnée VTT organisée par Les Vélo. Ici à La Grosse, on a les passionnés de cyclisme, on a les passionnés de vélo qui sont venus en masse. Beaucoup d'affluence pour pouvoir participer à cet événement. Un événement qui regroupe les clubs à Dakar et à Thiès, mais aussi pas mal de sportifs ici avec cette randonnée VTT. On va vous faire vivre le monde du vélo, on va vous faire vivre le monde du cyclisme ici à La Grosse. Comment vous trouvez cette belle journée ici à La Grosse? Tout d'abord, je tenais à remercier tous les participants et les participantes, d'autant plus qu'il y a des filles parmi nous. Je trouve que c'est une très belle initiative de Vélopassion, de les Vélo Club de Dakar, de fédérer tous les passionnés de vélo ici à une randonnée VTT au niveau du lac. Pour moi, c'est une très belle initiative et c'est à féliciter aussi. Et ça regroupe le monde du cyclisme, apparemment. Oui, effectivement, parce que tous les clubs de Dakar, et parmi même, il y a des clubs de Thiès qui sont là aussi. Les Lamans et entre autres parmi Vélocité de Thiès qui sont là aussi. Il y a Vélopassion, il y a Lézé, il y a pas mal de clubs qui sont là. Et aussi, il y a les amoureux du vélo qui sont venus, nombreux. Comme vous voyez là-bas, ils sont tellement nombreux. Aujourd'hui, on a un très grand nombre et on se félicite aussi. Salam alaikum, Gaï. Je suis venu à la VIP. Voilà, Mohamed Mbaye, la VIP. Alors, tay lan moy cette randonnée cyclisme la bo xamantene ni bu am solo fi ci La Grosse. Bon, cyclisme mom dafa nek lo xamantene dafa nek suñu direct légui quoi, parce que man athlète la bu équipe nationale Sénégal. Donc aussi qui organiser li aussi mom ñëk dawal lo vélo ci aduna. Donc c'est une première fois nak ma ñëw ci affaire bi, mais ça fait plaisir. Voilà, parce que mom ñëk dawal lo vélo bama nek ba dem ba don ci champion d'Afrique et tout. Donc, si vous organisez ça pour une première fois, ça fait plaisir de vous lire le vélo. En tant que champion d'Afrique, ce que vous avez dit, c'est la discipline. Aujourd'hui, quel message vous avez lancé au monde du cyclisme et l'autorité pour nous faire plus? Bon, juste que les affaires sont très bien. Parce que là, actuellement, on a un problème. Mais sante yalla, parce que suñu capitaine d'équipe, moi le gars là bi nga gis mu tok ci fauteuil roulant bi mom moy daw 2023 double médaille d'or championnat d'Afrique, 2024 aussi double médaille d'or championnat d'Afrique, jeux olympiques, donc qualifié na ci largement. Mais qui gère affaire paralympique bi moy président fait de secrétaire général paralympique comité olympique bi ñu dem bay ko fi demul jeux olympiques yi. Té il a gagné deux fois. 2023, moi gagné championnat d'Afrique. 2024, moi gagné championnat d'Afrique. J'ai le 6e mondial, rancune mondiale, 6e. Je suis le champion du monde paramilitaire. Quand on a des Jeux Olympiques, il y a un problème. Donc, on a des affaires de roule. Donc, voilà, nous avons des affaires de roule. Parce que nous avons des affaires de roule. Nous avons des affaires de roule. Nous avons des affaires de roule. Après, nous avons des affaires de roule. Nous avons des affaires de roule. Nous avons des affaires de roule. Manam ben à un moment donné da ngay sentir stigmatisation ci lafani quoi. Voilà, té lolou chaque jour dama koy xex, lolou moy suma xex. Ouais, ñu lay jaajeufal. Jaajeuf, ma ngi nuyu bax wa Eric Favre aussi. Bëgg na rencontrer Eric Favre quoi, parce que ci lolou damay def lutte, damay def crossfit. Voilà, je suis archi sportif quoi. Té di mom di ma dama ni ma ci nek bari na. Bëgg na ko rencontrer quoi. Jaajeuf. Merci. We'll be right back.
Voilà, nous sommes avec Papa Fata Faye, président de la Fédération sénégalaise de cyclisme. Président, bonjour et bienvenue sur Eric Faf TV. Bonjour Eric Faf TV. Ouais. Président, aujourd'hui, une randonnée VTT ici à La Grosse. Une belle initiative hein, pour le monde du cyclisme, pour les passionnés du vélo. Oui, ben, on se réjouit de cette organisation, hein, organisée par Les Vélo. C'est pratiquement la deuxième édition pour cette année. Et raison pour laquelle nous sommes venus en masse pour magnifier quand même nos appétits sur le vélo. Voilà. Aujourd'hui, le cyclisme sénégalais, aujourd'hui, quand vous voyez tous ces jeunes qui se regroupent ici à La Grosse, qui viennent des différents clubs de Dakar, de Thiès, ça montre que vraiment il y a des jeunes qui sont passionnés et il faut que les autorités quand même essayent de plus accompagner cette discipline. Vous l'avez si bien dit, franchement. Mais on s'est dit qu'avant même d'attendre le soutien, qu'on se manifeste d'abord et vous voyez bien la population qui s'est présentée aujourd'hui pour quand même montrer leur passion sur cette discipline qui est pratiquement mondiale. Aujourd'hui, vous vous attendez à quoi par rapport à cette belle journée de vélo? Une très belle randonnée, comme on l'a toujours fait, mais aussi montrer aux gens que la santé se trouve dans le vélo. Ouais. Merci beaucoup, Président. C'est nous qui vous remercions. Nous sommes avec Djaynaba Diallo, boxeuse professionnelle, hein, qui fait partie notamment des boxeuses sénégalaises très connues aujourd'hui qui participent à cet événement, donc randonnée VTT. Djaynaba, bonjour et bienvenue sur Eric Faf TV. Bonjour Eric Faf TV, bonjour à Sénégal. Je suis Djaynaba Diallo, je suis boxeuse professionnelle et coach aussi, en coach certifié en haltérophilie et musculation. Djaynaba, qu'est-ce qui vous a fait le cyclisme? Nous avons vu que vous avez participé à la randonnée que vous avez fait ici à La Grosse. Le cyclisme, non, ce n'est pas un truc que j'ai fait beaucoup de choses, mais avec une connaissance Baba. Nous avons été en mois de septembre, période de qualification olympique. Donc, nous avons sollicité cette fois-ci, okay, pourquoi pas venir participer. Mais c'est un truc que j'avais pas eu la chance de le faire en fait. Et c'est une opportunité pour moi, avec cette préparation, voilà, changer des idées. Faire en chose. Pleine préparation d'un combat, hein? Nous actuellement de randonnée cyclisme. Il faut participer pour donner tout le stress par rapport au combat. Waaw mëna wone nak dinina stress parce que environnement bima nekkone dama ko guen duggu benen ñew benen environnement muy cyclisme et c'est quelque chose bo xamanteni ça entre beaucoup de personnes comme la boxe en fait mais li ci gëna neex moy que ni esprit de groupe bi et tout et j'aime bien en fait. Comment tu as trouvé la randonnée? Ah, ça a été bien franchement, ouais, bien organisé et voilà, cool dal. Donc rendez-vous le 7 septembre. Rendez-vous le 7 septembre, di wo wa Sénégal yépp di len wax ni ñew supporter moi, supporter sama wa team parce que am nañ 6 combattants, 5 garçons et une fille. Et di len wax ni inshallah, di wax maymuna inshallah, prépare le 7. Da ngay xéxlé, duma la may dara, lèr la la wax. Merci beaucoup. Alors, salam alaykoum, ma ngi tuddu Djibril Sène. Passionné vélo mais spécialement VTT. Ouais. Donc tay dañu ñëwoon fi La Grosse. Daoufi, ben circuit VTT de 30 km, quelque chose comme ça. Ça fait un parce que Nadi Tangana. Ça fait notre trop. Mais il faut que ça fasse le rec. Il faut que ça fasse le rec. Ça tank est disponible. Voilà, c'est ça, exactement.
Randonnée, le but de l'organisation de cette randonnée VTT, aujourd'hui on a vu que c'est la deuxième édition et que vraiment on a affluence parce qu'on a vu pas mal de cyclistes qui ont participé à cette randonnée. Quel est l'objectif de la randonnée? Alors tout d'abord, le vélo est en train de se développer au niveau, dans Dakar, plus particulièrement au Sénégal, je vais dire de manière générale. Mais ils sont beaucoup plus axés sur le vélo de route, le cycliste. Étant donné que déjà à Dakar, nous avons un problème de pistes, nous n'avons pas les pistes où pratiquer le VTT. Donc on s'est dit, on va s'organiser en bande, en collaboration avec un club de vélo, à savoir Laser Vélo, qui est le sponsor principal de l'événement et l'organisateur aussi. Donc on s'est dit, on va organiser un événement de VTT. Pourquoi faire pour promouvoir le VTT? Parce qu'il y a plein de gens, ils ne peuvent pas conduire les cyclistes. Donc du coup, ils achètent des VTT, mais ils roulent ça sur la route. Franchement, ça ne sert à rien. Donc on s'est dit, on va chercher ailleurs, on va sortir de Dakar, promouvoir le vélo. C'est au mois de juillet qu'on a fait la première activité. Il y avait du monde. Mais franchement, ce qu'on a reçu aujourd'hui comme monde, c'était vraiment inattendu. Nous-mêmes, à l'arrivée, on était déjà dépassés par le nombre de participants qui étaient là. Jusqu'au milieu de la route, on continuait de recevoir des appels pour nous dire, on veut venir participer. Mais malheureusement, étant donné que nous avons mis en place un certain nombre très limite de vélos, un bus aussi qui a été alloué par Sénécar Tour. Donc on ne pouvait pas prendre au-delà de ce nombre-là. On les a promis que nous allons organiser sous peu une troisième édition et on va prendre le temps de mieux communiquer là-dessus et de mieux impliquer, on va dire, les propriétaires et les intéressés du VTT. C'est juste ça. Est-ce que cet événement, c'est pour aussi alerter les autorités sportives ou bien l'État même à mieux accompagner le cyclisme au Sénégal? Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de jeunes, hein, qui sont très passionnés par ce sport, mais aujourd'hui qui n'ont pas cette opportunité de montrer leur talent et tout. Effectivement, parce que nous avons constaté qu'ici au Sénégal, on a l'habitude de dire qu'il n'y a qu'un seul sport, ou bien à la limite deux sports qui sont reconnus, à savoir le football et la lutte. Le basket, un peu moins. Le vélo, encore moins. Donc la fédération, elle est là. Mais encore une fois, ils sont beaucoup plus axés sur les vélos de route. Ils organisent des compétitions, mais pour les vélos de route, les cyclistes. Donc encore une fois, nous les propriétaires ou bien nous les passionnés de VTT, nous sommes laissés en rade. Donc on a fait ceci, le président il est là d'ailleurs. On a fait un événement pareil, on l'a invité pour que lui-même qu'il voit que, à part le vélo de route, il y a d'autres activités. Il y a le VTT, il y a le BMX, parce que vous avez vu d'autres types de vélos ici. Comme ça là, au moins, petit à petit, le Sénégal va commencer à connaître exactement c'est quoi le vélo. Parce que nous, on a l'habitude de rouler. Les vélos, ils sont excessivement chers. Mais tu roules, tu rencontres quelqu'un, il te dit, Dangaï fort. Pour le Sénégalais, le vélo, fort là. Alors que le vélo, c'est un sport comme tout autre sport. Si eux-mêmes, aujourd'hui, ils étaient venus, ils avaient essayé le circuit aujourd'hui, ils allaient comprendre que c'est chaud. C'est très chaud. Nous sommes là, on est revenus il y a 10 minutes. Mais on n'arrive toujours pas à reprendre notre souffle, tellement c'est compliqué. Donc c'est ça le but principal, de promouvoir le vélo et de faire connaître le vélo VTT, surtout au Sénégal. Donc rendez-vous pour la troisième édition. Sous peu. Encore merci beaucoup à Laser Vélo, merci à Sénécar Tour, merci aussi à vous. Et je dis félicitations aux coureurs, parce que c'était très compliqué de se réveiller très tôt. À 6h du matin, c'était très compliqué. Un dimanche de surcroît, étant donné que lundi tout le monde va au travail ou bien à l'école. Mais ils sont quand même là. Ils se sont amusés. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de bobos. On est tous partis ensemble, on est revenus ensemble dans la joie et la gaieté. Donc là, on attend juste la collation avec la collaboration de Paco Dibiteri. Et que la fête soit belle. Ben voilà, c'est ça. Merci à vous. Merci Mohamed El Amine. Et c'est un plaisir de te retrouver ici en tant que confrère. Voilà. Mahmoud, aujourd'hui, on nous a trouvé ici. C'est la randonnée VTT, deuxième édition. Aujourd'hui, déjà, en tant que journaliste, comment vous avez trouvé cette randonnée? Bon, moi, on peut dire que je suis venu ici en tant que passionné de sport. C'est ma deuxième fois que j'ai fait cette randonnée. J'étais venu pour la première fois et j'avais accroché. Je me suis dit, pour la deuxième, je vais venir et j'ai eu le contact de l'organisateur, il m'en a parlé il y a une semaine de cela. Après, je suis venu naturellement, comme moi je suis passionné de sport. Et tous les sports qui sont possibles de faire, j'essaie de les pratiquer et de bien les faire. Exactement, ouais. Ouais. Pour
arriver, c'est cette distance, la durée, c'était quand même un peu pénible. Pour moi, non, parce que moi j'ai l'habitude de faire des circuits de 30 km. Aujourd'hui, on a fait environ 22 km. C'était pas très compliqué par rapport à la distance, c'est juste par rapport au parcours où il y a eu parfois beaucoup de sable et tout. Donc c'est ce qui est un petit peu compliqué, mais globalement, moi je trouve que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, le ministère des Sports, ou bien même l'État du Sénégal, doit-elle aujourd'hui essayer d'accompagner aujourd'hui le cyclisme sénégalais, parce que j'ai vu il y a pas mal de jeunes très passionnés qui pratiquent ce sport. Oui, je pense que c'est le genre d'initiative que l'État du Sénégal et le ministère des Sports doivent accompagner, parce que ce sont des gens qui sont passionnés de leur sport, qui avec leurs moyens essaient d'organiser des événements qui regroupent toutes les franges de la société. Il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes, regroupent tout le monde autour de leur passion pour le sport, avec leurs moyens organisent ce genre d'initiative. Pourquoi pas un jour voir le président de la République faire ce parcours, parce que c'est du sport, il peut venir tranquillement faire du sport comme tous les autres citoyens. Et je pense qu'ils doivent s'appuyer sur ce genre d'initiative pour mieux développer le sport, communiquer sur le sport et encourager la population de pratiquer le sport. C'est la fin de cette randonnée ici à La Grosse, comme vous l'avez si bien vu en image, comme vous l'avez si bien remarqué, pratiquement entre 20 et 30 km que ces cyclistes ont en tout cas fait ici à La Grosse. Maintenant, il y a eu énormément d'affluence, comme je l'ai dit en introduction. Il y a pas mal de jeunes qui ont participé à cet événement qui a été organisé par les Vélo, avec les différents clubs de Dakar et de Thiès qui ont participé aussi à cette randonnée VTT. C'était la deuxième édition. On attendra la troisième édition. Vous avez entendu donc ce que le président de la Fédération sénégalaise de cyclisme a évoqué concernant les difficultés, comment l'État du Sénégal doit accompagner ce sport, mais comment aussi les autorités sportives doivent pousser le cyclisme à Dakar, notamment au Sénégal. C'était tout, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV. On se donne rendez-vous à très bientôt.